Et en cette période de Noël, les épouses des policiers regroupées au sein de l'association Yessi font le bonheur des enfants. Elles ont organisé un arbre de Noël sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur. Ghislaine Ndamasoko prend les timbres. Toutes les conditions sont réunies cette année encore au sein des forces de police nationale à travers l'association Yessi qui a gratifié les enfants de nombreux cadeaux devant un parterre de parents. Visiblement heureux par ce décor et cette animation incontestable, les petits ont reçu divers emballages contenant des surprises à leur faveur. La responsable de l'association Yessi, René Ephrasie Oyezué, et son groupe ont diversifié leur site pour célébrer l'enfant Jésus, représenté ici par cette marque d'affection à tous ses enfants sensibles à ce geste maternel. Merci, merci et encore merci pour tout. C'est merveilleux cadeau. En retour, nous faisons la promesse à vous et à tous nos parents d'être toujours affectueux et de bien travailler à l'école. Les animateurs de circonstances prestent avec beaucoup d'intérêt et les enfants de s'adapter au rythme et au son de la grandeur de la manifestation riche en couleurs. C'est donc une organisation qui a vu le jour sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, représenté par le commandant en chef des forces de police nationales.